Sainte Agrève, c'est ici, près de ce village du plateau ardéchois, que vivait Raymond Grandouillet, un sourcier hors norme. Dès ma tendre enfance, j'accompagnais mon grand-père maternel près de cette maison de Plafaillis. À cette époque, Raymond, tout en cherchant l'eau autour de cette bâtisse, marmonnait à mon aïeul. « Mais monsieur, savez-vous que vous possédez une maison intéressante ? Pendant les longues veillées hivernales, dans les fermes aux alentours, on se plaît à raconter des légendes qui parlent de cette demeure de Plafaillis. L'une d'elles fait allusion à une table aux mille lueurs qui brille à l'intérieur. Une autre affirme que le trésor des Templiers est caché en ce lieu. Une autre encore évoque 3 ou 12 boules d'or dissimulées dans les souterrains. Et depuis ce temps-là, les boules d'or hantent mon esprit et me ramènent à l'existence d'un mystère. J'avais perdu de vue cet aimable chercheur de sources jusqu'au jour où, en 1982, nos destinées se recroisèrent. Dans cette ferme de Piche, où le sourcier a passé toute sa vie, dès lors, pendant 22 ans, comme les 22 étapes du grand œuvre alchimique, j'allais régulièrement lui rendre visite afin de lui poser des questions sur le sens de la vie. J'allais, en fait, grâce à lui, accoucher de mon âme. Et un jour, Raymond le sourcier murmura à mon oreille : « Vous devriez vous pencher sur le mystère de votre demeure de Plafaillis. Cette maison s'est révélée à moi quand j'avais 12 ans. J'ai senti qu'elle était bâtie sur un lieu très particulier, un haut lieu vibratoire, un haut lieu de vie, un point de conscience de notre planète Terre. Des Égyptiens venaient dans des temps immémoriaux, s'initiaient ici à une gaie science, l'alchimie. » Et le sourcier enchaîna. « Il existe 13 lieux sur la planète Terre comme celui-là, et c'est ici le point énergétique numéro 9, celui du Verbe. De plus, des initiés ont enterré sous cette construction un bloc de quartz très pur qui amplifie la résonance harmonique de ce lieu avec tout l'univers. » Ces déclarations ahurissantes me laissèrent songeur. Cependant, si on écoute le sourcier, cette maison serait, entre autres, une demeure philosophale, c'est-à-dire un espace où l'on pratiquait la philosophie hermétique, l'alchimie. Mais continuons. Car l'énigme planant autour de ce lieu de Plafaillis s'intensifie quand on apprend que cette maison abrite une pierre tombale en relief, un gisant, celle d'un chevalier de la Renaissance, Iachmé Rieux de Plafaillis, illustre inconnu qui vivait ici sous le règne de François Ier.
Ce chevalier était-il donc un alchimiste? Les propos du sorcier nous invitent à le penser. Or, un historien éminent venant authentifier cette pierre tombale a cru qu'il tombait à la renverse quand il l'aperçut. Mais c'est incroyable, s'était-il écrié. On peut admirer une telle sculpture funéraire dans des monastères, dans des églises, dans des cathédrales, aux Invalides, à Paris. Mais dans une ferme anodine, perdue au milieu des forêts, Vivaro Vélave, voilà quelque chose de bien singulier. Même le musée du Louvre ne possède pas une œuvre de ce genre. Mais ce qui m'a abasourdi encore plus, c'est qu'en aucun cas la famille qui vivait ici à la Renaissance n'a pu se payer pareille merveille. L'argent mis de côté pendant toute une vie de labeur n'aurait pas suffi. Cette sculpture a dû être subventionnée par un ordre religieux très riche ou par une famille ducale, je dirais même royale. Plus encore, le chevalier reposant ici, vu la qualité de son tombeau, devait être très célèbre dans un certain domaine. Or, c'est un illustre inconnu au niveau politique et inconnu au niveau religieux. Je ne comprends vraiment pas. Aussi, surprise, quittons Plafailly. Et nous voici à Polignac, en Haute-Loire, près du puits Envelay. Car toutes ces réflexions me convainquirent. Cette propriété familiale de Plafailly dissimule un très grand secret. Oui, cette maison de Plafailly est quelque part liée à l'alchimie, doctrine secrète amenant à la régénération de l'être par la connaissance libératrice. Aussi, je décidai d'étudier avec mon ami sourcier les symboles peints sur les poutres et les plafonds d'une autre demeure philosophale érigée justement sur cette commune de Polignac. La voici, la voilà, cette demeure de Chérac, que dis-je, ce manoir de Chérac. À l'intérieur, des dizaines de peintures de la Renaissance commentant le grand œuvre alchimique. Antoine II du Fornel, seigneur de Chérac, pratiqua ici le grand art, c'est-à-dire l'alchimie. Il décora entièrement sa demeure de peintures symboliques, comme celle-ci, pour que soient décrits en ses murs les arcanes de la science hermétique, afin qu'à travers les âges, le message reste vivant. La coquille Saint-Jacques, que voici, est omniprésente, car Saint-Jacques est le patron des alchimistes vivants dans un monde chrétien. Notons au passage que autant cette demeure de Chérac que celle de Plafailly sont sur le chemin de Compostelle. J'admirais, parmi toutes ces peintures, une spécialement, la célèbre Rota, que vous apercevez, ou Rosa, la signature de l'initié supérieur et de l'œuvre accomplie. Mais revenons à Plafailly, car cette Rosa, ou Rota, me permit de comprendre, ici, à Plafailly, que, à tort, le dernier mot du texte sculpté sur la pierre tombale que vous apercevez correspond, lui aussi, à cette signature, indiquant que le chevalier Jacmérieux de Plafailly avait, à l'instar d'Antoine du Fornel, cueilli la rose de l'Adepta.
Ainsi, si vous lisez comme dans la langue hébraïque, de droite à gauche, la dernière lettre du dernier mot du texte gravé donc sur ce gisant, le T, c'est en fait le Tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu, régulièrement utilisé par les alchimistes comme signature. À sa gauche, en lisant toujours de droite vers la gauche, le mot Rota, la roue ou rose d'or, possède quatre lettres qui symbolisent les quatre éléments, air, l'air, eau, l'eau, T, la terre, et A, c'est Ani, le feu. Yakmerieu, le chevalier, avait bien maîtrisé les éléments et obtenu la fameuse pierre philosophale, élixir d'immortalité. D'autant plus que toujours dans ce texte sculpté sur le gisant, voici l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, signature également utilisée par les alchimistes. Mon ami sourcier acquiesça et ajouta que la maison de Chérac est très intéressante, mais que celle de Plafailly l'est mille fois plus. Cette affirmation me surprit, mais m'encouragea à continuer mes recherches. Et alors, mesurant les dimensions de cette demeure de Plafailly, je perçus quelque chose d'inimaginable. L'architecture de cet édifice était liée à l'Égypte antique. Elle avait été conçue selon une géométrie précise, selon des rapports harmoniques que l'on retrouve dans les monuments de l'ancienne Égypte. Avais-je donc devant moi une maison égyptienne en plein pays Vivarovelave? Oui, ici le nombre d'or est omniprésent. Les façades, malgré les modifications, la surface au sol et la pierre tombale, tous ces éléments sont des rectangles d'or. Par exemple, cette façade sud mesure 13 mètres de long sur 8 mètres de haut, et 13 divisé par 8 donne 1,6, la divine proportion. Plus encore, la cheminée à l'intérieur est un rectangle d'argent et dissimule l'une des figures les plus utilisées par les Égyptiens de l'Antiquité, le triangle 3-4-5 que voici dit de Pythagore. Platon rapporte que les Égyptiens l'assimilaient à la nature de l'univers. Continuant mes mesures, une autre surprise m'attendait. L'architecture de cette maison était également basée sur l'une des coudées sacrées royales égyptiennes, la coudée cercle, coudée égale au rapport du nombre d'or sur le nombre pi. En fait, la longueur de l'avant-bras gauche du chevalier sculpté sur la pierre tombale que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire la distance de l'extrémité du majeur du chevalier au coude, mesure 0,51 m, longueur correspondant à cette fameuse coudée cercle égyptienne. Plus encore, le gisant lui-même mesure 5 coudées de long sur 2 coudées de large. Et au miracle, l'avant-bras droit mesure 0,47 m, soit la coudée profane ou géographique en lien direct avec la latitude de ce lieu. Toutes ces mesures rationnelles démontraient que des initiés avaient conçu cet édifice en relation indéniable avec l'architecture égyptienne. Rendant visite à mon ami sourcier, celui-ci me confirma ses réalités et ajouta « Continuez, vous êtes sur la bonne voie. »
Mais lui répliquai-je, j'ai tout mesuré, que voulez-vous que je fasse de plus vis-à-vis de cette bâtisse? Me voyant décontenancé, le sourcier marmonna, je peux vous donner un conseil? Oh oui, lui répondis-je, j'en ai vraiment besoin. Alors, avec un regard malicieux, mon ami enchaîna. Promenez-vous tous les jours mentalement dans cette demeure de Plafailly, avec des idées bienveillantes vis-à-vis de vos amis et de vos ennemis, et vous aurez une surprise. Je l'écoutais, et une nuit, parcourant en esprit ce lieu de Plafailly, l'image d'une trame géométrique fractale se révéla à moi. D'où venait-elle? Peu importe. Qui plus est, elle contenait des croix et le chevalier Yacmé y apparaissait aussi. Alors, voulant reproduire cette trame sur une feuille de papier, je traçai le plan au sol de la maison de Plafailly et miracle, ma main, comme guidé par une force invisible, dessina ce dédale de traits. Dès cet instant, je savais que l'architecture de Plafailly était basée sur ce labyrinthe, d'autant plus que le scarabée égyptien décorait ce canevas. Canevas qui, à l'instar de cet insecte, résume et rassemble quelque part également toute la cosmologie égyptienne. Présentant cette découverte à mon ami sourcier, celui-ci déclara « Ceci vous a été transmis occultement. Il s'agit d'une trame de géométrie utilisée dans les temps anciens pour la construction de certains monuments sacrés. » Le chercheur de sources continua en disant qu'il attendait depuis plus de 40 ans que quelqu'un réussisse à dessiner cela. Mon émotion est grande, ajouta le sourcier. Je peux désormais vous dire que le blason originel symbolisant ce lieu représente le scarabée égyptien, entouré de 3 boules d'or. 3 boules d'or, une allusion à l'une des légendes de cette demeure. Quelques jours après, le sourcier balbutia. Sortez au crépuscule près de Plafailly et vous aurez une surprise. C'est ce que je fis, accompagné de mon épouse, de ma fille et d'un couple d'amis, et nous eûmes une surprise, une grande surprise. Nous vécûmes en direct l'une des légendes sur cette demeure, la légende des boules d'or. Mais ces boules d'or n'étaient pas cachées dans les souterrains. Elles apparurent sous la forme de 3 sphères lumineuses, 3 sphères pulsantes, vivantes, intelligentes, qui dessinaient par instants dans le ciel un triangle équilatéral parfait, comme sur le blason de cette ferme. Le sourcier me confirma que c'était bien la surprise qu'il nous avait annoncée et que ce phénomène était bien lié à la légende des boules d'or. Il ajouta « C'est une information de Vénus. Depuis longtemps, je sens les périodes et les lieux où ce genre de spectacle peut avoir lieu. Désormais, vous pouvez venir vous ressourcer dans votre maison. » Et depuis, parfois, ces boules d'or nous tiennent compagnie et semblent nous guider sur le chemin de la vie. De fil en aiguille, j'appris par la suite qu'au Moyen Âge, des chevaliers, les chevaliers de l'étoile, venaient en réunion à Plafailly. Ils avaient choisi cette bâtisse car pour eux elle est marquée par cette étoile, par l'étoile de Bethléem.
Souvenez-vous des rois mages qui cherchaient une maison marquée par l'étoile où ils trouveraient l'enfant roi. Eh bien, cette maison est sur le chemin des étoiles, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Plus encore, deux étoiles s'insèrent parfaitement dans le plan au sol de cet édifice. Deux étoiles de Bethléem, deux étoiles qui dessinent une deuxième trame de géométrie où le gardien du lieu apparaît avec les deux colonnes du temple de Salomon, avec un compas, une équerre, un diamant et, surprise, la coupe du Graal. La coupe du Graal, car cette demeure est un récepteur d'une manne descendue du ciel, de radiance provenant des étoiles. Aussi, pèlerins, si vous voulez vous régénérer, venez en ce lieu, et je l'espère, vous en sortirez transformés, régénérés. Quelque part ici, la lumière transmute la matière en lumière.